De nombreuses personnes se rendent compte que quelque chose ne va pas dans le monde. Il y en a qui s'indignent, qui manifestent, d'autres ont des initiatives généralement locales pour améliorer la situation. Le mouvement Zeitgeist a une approche différente, aller à la racine du problème qui est une structure sociale dépassée et corrompue. Les relations sociales sont régies et perverties par les échanges monétaires de l'économie. Le terme Zeitgeist est un terme qui est apparu en Allemagne durant le siècle des Lumières. Courant dans le langage américain pour désigner l'esprit du temps, il est plus rare en France où il reste employé en philosophie depuis Hegel pour désigner le climat culturel, intellectuel, moral, spirituel ou politique d'une période historique précise. Le mouvement Zeitgeist est né spontanément suite à la sortie du film Zeitgeist Addendum de Peter Joseph. S'ensuit un autre film plus abouti, Zeitgeist Moving Forward, Aller de l'avant. Il est actuellement en cours de doublage et sera disponible en version française début 2013. Dans ce documentaire argumenté par des intervenants scientifiques, après l'étude de la nature humaine, ou plutôt de l'adaptation de nos comportements à l'environnement social, après la présentation du fonctionnement et l'impact du système monétaire, on découvre et on comprend pourquoi et comment la quasi-abondance peut apporter à l'ensemble de la population mondiale en appliquant un modèle économique alternatif basé sur les ressources. Qu'est-ce qu'un modèle économique basé sur les ressources ? C'est un système global dans lequel les ressources de la planète sont déclarées comme héritage commun à toute personne dans le monde. C'est un système dans lequel tous les biens et services sont disponibles à chacun sans utilisation de monnaie, troc ou toute autre forme de dette ou servitude. C'est également un système qui applique une approche systémique de la société et gère les ressources de la Terre de manière holistique, tout en rationalisant la production afin de réduire les pertes. Un système où le bien-être de l'homme et la préservation de la Terre est la priorité, plutôt que, comme actuellement, le profit. C'est surtout un système basé sur l'automatisation des machines plutôt que sur le travail humain, pour libérer tous les gens des travaux insignifiants et répétitifs. Le mouvement Zeitgeist fédère autour de l'idée d'engager une transition vers un modèle économique basé sur les ressources, en abandonnant le système monétaire qui prédomine aujourd'hui à travers le monde, au-delà des formes de gouvernement et des orientations sociétales. Comment effectuer cette transition ? En reconsidérant notre rapport à l'environnement et aux autres, notamment envers les ressources planétaires reçues comme héritage commun, il est flagrant de constater que les opinions politiques ou religieuses sont obsolètes face aux défis économiques, sociaux et environnementaux qui se présentent à nous, du fait qu'elles servent des intérêts personnels, corporatifs ou nationaux. Le raisonnement et la méthode scientifique donnent une voie différente, plus rationnelle et durable, pour satisfaire les besoins humains, par exemple en réfléchissant plus sérieusement et plus justement à l'utilisation de la technologie. Logique de croissance infinie et profit démesuré ne sont pas efficients pour la majorité et vont totalement à l'encontre de la durabilité des environnements sociaux et naturels, garants de la survie de l'espèce humaine. Une réconciliation de l'homme avec l'humain et l'environnement est nécessaire, et cela passe forcément par la remise en question de tous ces repères qui exacerbent les notions d'individualisme, de profit, de compétition et bien sûr de corruption qui entraînent guerre, pollution, surconsommation, exploitation à outrance des ressources naturelles, pression psychologique au travail et bien d'autres choses encore. Voilà donc le profil du mouvement Zeitgeist, apolitique, religieux, unificateur, décentralisé, anti-monétaire. Nous souhaitons que le système monétaire soit remplacé par un modèle économique basé sur les ressources. Imaginez-vous dans un monde où le système s'occupe réellement de vous et de votre bien-être. Les gens voudraient participer. C'est beaucoup plus motivant que d'avoir un emploi pour survivre et payer ses dettes. Imaginez pouvoir vivre votre passion sans contrainte financière. Il s'agit d'utiliser au mieux l'automatisation et de transformer le travail imposé en activité choisie. Pensez-y, imaginez ce que deviendrait votre emploi dans un modèle économique basé sur les ressources. Dans cette transition, de nombreuses initiatives comme le revenu de base, les SEL ou les villes en transition trouvent tout leur sens. Cette évolution de la société s'étalera probablement sur plusieurs années, décennies ou même générations. Malheureusement, les futurs problèmes d'accès aux ressources énergétiques et autres, ainsi que la dégradation de l'environnement, rendent cette évolution pressante.